demande. Un double plateau FM, artistique et co-responsable, gratuit. Je ne l'ai pas dit, là, tout à l'heure, on va avoir les... Et vous, où serez-vous ces 4 et 5 juin? Chez Lens. Thank you.
caractérise d'abord la présentation. Les figures sont toujours enchaînées de la même façon. Avait été faite 15 ans avant avec des planeurs qui étaient tractés par des canons automoteurs, c'est-à-dire des ballons, et on avait sur la scène, du côté des bureaux, et bien mis en l'air un planeur tracté. Ça ne s'était pas très bien terminé, le planeur avait fini en l'eau, mais néanmoins, l'idée de décoller et de revenir sur la surface d'eau avait été retenue, et Henri Fabre en avait fait son défi personnel, c'était sa vie. C'est le survol du cratère du Ngorongoro, me semble-t-il.
Et oui, avec le cousin anglais du stamp. Un 2000 ans, je crois, si la vie en lance. Aujourd'hui, les avions de voltige modernes sont entraînés par 300 à 360 chevaux, voire 400 chevaux. Imaginez-vous ici, c'est 500 kg entraînés par 140 chevaux. Mais 140 chevaux, il y a longtemps. Les ballonnettes, ce sont les
et les ballons qui sont en équilibre au bout d'elle et qui sont à nos vies. Les années 37-38, relouer Paris Arcachon par train, puis Limousine nous emmenait d'Arcachon jusqu'à Biscarrosse. Dormi à l'hôtel, le grand hôtel Air France qui existe encore, l'hôtel Art Déco, sur la base des Antiquaires. Et là, votre tournée tricolore nous attendait pour partir à partir de l'heure. Enfin, tout ça a été travaillé par la guerre, mais en 1940, eh bien, c'est la tournée en Europe, puis cette défaite si cuisante, si rapide, si étourdissante. Ah, les incendies, c'était ça, c'était Catalina dans les années 60. Alors, les Catalina, on a des endroits mondiaux pour faire porter la distance. Et la France avait changé de vocation, elle avait été d'ailleurs terminée, puisqu'elle n'était pas achevée au moment du début de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été achevée par les Allemands qui ont rajouté des quais, qui ont rajouté également des baraquements, des lieux de vie, et ont constitué l'une des principales bases dans le dispositif de l'Atlantique. Voilà, Catalina nous revient, je crois, pour un amérissage, je ne crois pas distinguer les balais. Si tout se détruit. Voilà, face à nous, la guerre de l'eau. Je ne sais pas s'il s'agit d'un touch and go. Là, la puissance est remise. 40 ans plus à l'admission. Voilà, 1250 chevaux de chaque côté. L'hydroplanage de la machine. C'est spectaculaire. Je pense que les photographes qui étaient dans l'art sont plus. Un autre icône, énorme icône, l'avion qui a créé, lancé le transporteur aérien tel qu'on connaît aujourd'hui. Et oui, le Douglas DC-3 qui part en guerre. Beaucoup d'hommes,
s'est éloigné, il a fait un virage de procédure, il a repéré les temps et là il est en train de découper, c'est-à-dire qu'il est en train de remplir ses réservoirs internes. Le dopage, c'est un petit miracle, vous savez, par là. Alors, on va mettre ça à un mythe, non, un Canadien ne peut pas avaler un nageur ou un rugby blanchiste, parce que vous savez quelle est la surface. Il y a deux écoles de chaque côté, elle prend à peu près la surface chaque côté de votre main déployée.
Il n'y avait pas l'électronique moderne que l'on connaît, même si c'était déjà des computers, même déjà s'il y avait une grande sophistication des systèmes, notamment des radars. Allez, les gars, sur le pont se trouve le LED signalisation de la zone du fichier d'appareil qui avait à l'époque des radars. Ça veut dire ramener les gaz, on va partir en tout. Thank you.
Qui sont basés ici à Biscarrosse, ce sont des avions qui appartiennent à des particuliers et qui ont décidé de reformer une petite patrouille. Et puis là, vous allez vous mettre des facteurs de charge à porter. Thank you.
Don't forget to like this video. And consider to subscribe. Check those before you go.